Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Roblox, sur Survivor, alias Koh-Lanta. Donc en gros, ça va être plein de mini-jeux d'équipe pour essayer d'arriver jusqu'au sommet. Et comme vous pouvez le voir, derrière moi, j'ai une fine équipe d'abonnés, de subs, de tout ce que vous voulez, des amis, des potes, des gens qui jouent à Roblox et qui me connaissent un petit peu. Et du coup, on va essayer de faire une équipe tous ensemble pour pouvoir gagner Koh-Lanta. No tiempo de niezo, c'est parti. Alors, déjà il faut qu'on arrive à rentrer tous ensemble dans la salle parce qu'il y a eu des petites mésaventures sur mon parcours. Et voilà, du coup on va participer, c'est bon, il y a tout le monde là qui est rentré dans le ring. Les amis, je vais pouvoir normalement, si tout va bien, choisir du coup notre équipe. Et ensuite nous serons une tribu, la tribu de Koh-Lanta, des abonnés et des gens qui me connaissent. Et du coup on va pouvoir essayer de gagner. Les amis, bienvenue sur Survivor alias Koh-Lanta, parce que comme j'ai sûrement déjà dû le dire, personne n'utilise Survivor comme nom. Mais du coup, bienvenue à tous pour le jeu Survivor. Je suis votre invité, non c'est pas grave, on s'en fout. Vous serez donc séparés en deux tribus. Chaque jour, vous devrez combattre l'autre tribu pour gagner l'immunité. Et la tribu qui perd, évidemment, sera éliminée. Enfin, en tout cas, elle perdra des membres. Du coup, ça continuera jusqu'à ce que les tribus soient fusionnées. Et donc, on va jouer en rédemption. Parce qu'en rédemption, on peut se sauver si jamais on a fait du caca. Le mode de jeu sélectionné est rédemption. Ok, ça va, tout va bien. Jusque-là, c'est bon. Du coup, moi, je dois voter pour quelqu'un. Je vais voter pour Noobette. Parce que du coup, normalement, ils vont voter pour moi en tant que capitaine. Comme ça, je vais pouvoir choisir l'équipe d'abonnés. Les votes ont été faits. Ok, c'est bon. Nous avons nos deux capitaines. Et du coup, bon, j'espère juste que par contre, le monsieur va pas prendre des gens que je connais. Je vais prendre Noobette. Faut pas qu'il choisisse un abonné. Ok, c'est bon, il a pas choisi un abonné. Parfait. Ensuite, Tom & Go, hop. Monsieur, tu prends pas. Non. Pandatum. Non. Oh, rip. Arrête de... C'est bon, c'est pas un abonné. Mais non, mais Tom, RIP. Amel, viens ici. Je vais juste écrire RIP. Ok, il reste qui? Il reste Suprakill. Hop. Et là, je crois que du coup, on a tout le monde. Le problème, bon, il nous manque juste Panda. Mais si Panda réussit à survivre jusqu'à plus longtemps dans la game, et ben du coup, on pourra se rejoindre à la réunification. Bon, lui, je vais le prendre parce que j'aime beaucoup les démons Gorgon. C'est bon les amis, les équipes sont faites. Nous sommes donc 5 ou 6 personnes qui se connaissent ici dans cette équipe. Nous sommes la team Herba, la team Herbe, la team Verdure, la team la team bien. Hein, nous allons gagner. Il faut absolument qu'on gagne les épreuves les amis, sinon ce soir nous irons au conseil et nous devrons éliminer quelqu'un de notre équipe. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'on sait déjà qui on va éliminer, n'est-ce pas Noobette? Non, je rigole, évidemment. On éliminera les gens qu'on ne connaît pas, du type la dame petite blondinette ici ou les autres. Alors, nouveau jeu, Beat to the Punch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir de la castagne, non? Ah, pas du tout! C'est une épreuve de parcours. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, oui, évidemment, la tribu perdante devra éliminer un de ses joueurs. Mais passons au challenge d'aujourd'hui. Un membre de chaque équipe devra faire la course contre l'autre. Ils devront passer tous les obstacles le plus vite qu'ils peuvent. La première personne qui arrive donne un point à son équipe. Et du coup, la tribu avec le plus de points gagne. Et surtout gagne l'immunité. C'est le plus important quand même. Pour ne pas les éliminer un joueur de notre équipe. Attention, qui commence? C'est moi! Je cours! Je donne tout! Je grimpe! Oui! Là, je passe! Là, je passe à droite. Ah, là, là, là. Ah, ici à gauche. Ah, mais je peux passer par-dessus. Oui, oui, il m'encourage à gauche. Ah, J'ai gagné. Non, j'ai pas gagné, mais quoi? J'ai pas gagné, je me suis trop mis la pression. Oh non, c'est le rip. Non, notre joueur il est bloqué. Non. Ok, là c'est qui là?
Allez, donne tout. Non, on est encore en train de se... Oh là là, ils sont à 3-0. Oh, le rip, c'est Lionceau. Il est comme moi, il a galéré sur les petits trucs, là. Non. Ensuite. Allez, madame. Allez, madame, blondinette. Ah, c'est Amel. Allez, Amel. Les deux équipes. Ah oui. Oui, Amel. Oui. Oui. Allez, déchire tout. Oui, t'en avances, Amel. Oui. Un point pour nous. Allez, faut qu'on égalise, les gars. Allez, Tom. Oui, l'autre, il est cher à la ramasse. Regardez, le rhume, il est lent. Le monsieur à tête de dragon est lent. T'avais qu'à pas choisir point d'atome. C'est la malédiction. Oui, deux points. Allez, les gars, si là, on égalise, on a une chance de revenir dans la game, là. Allez, on compte sur toi. Je sais pas qui c'est. Suprakill, je compte sur toi. Allez. Non. Non. Oh là là, je pense que là c'est le rip là. Qu'est-ce qu'il y en a? On a Noubette. Allez Noubette, réduis l'écart. Donne tout Noubette. Oh là là, c'est Rondin de Bois, mais c'est vraiment le chétan. Oh, passe par-dessus, oui, passe par-dessus. Non. Alors là, ça va jouer vraiment à la seconde près. Non. Ouch. Ah, c'est moi qui y vais en suivant. On a qui là? Ok madame, je ne te connais pas mais donne tout ce que t'as. Sinon c'est toi qui va partir. Oh là là, mais il reste plus que 60 secondes. Oh là là, c'est le rip. C'est le rip. Ah, c'est moi qui joue. Je dois au moins gagner une fois pour l'honneur. Au moins une fois pour l'honneur, j'ai dit. J'ai dit au moins une fois pour l'honneur. Oh, mais en fait il faut pas courir. Si. Ok, bon je n'y arrive pas. C'est Rondin là, c'est le chétan. Non mais il est déjà arrivé. Oh là là, catastrophe. Catastrophie. Oh là là. Bon, Darkman, je vois que tu t'en sors pas trop mal. Je crois que c'est la deuxième fois que tu vas nous faire gagner. Malheureusement, je crois que le destin de notre équipe 2 points contre 7 est un peu scellé là actuellement. Mais il est super dur ce jeu. Enfin, pas ce jeu là en particulier, mais ce mini-jeu est vraiment super dur. Hein. Non. Nous avons perdu, notre équipe a perdu. Nous allons donc devoir éliminer une personne de notre équipe ce soir. Nous arrivons au temple de la réunification pour tout simplement devoir éliminer une personne de notre équipe parce que malheureusement nous avons perdu. On pose nos petites torches. Et moi je suis debout. Ah non, je suis sur un petit siège quand même. Bienvenue la tribu Herba. Un de vous sera éliminé ce soir et devra partir. Chacun à votre tour, vous devrez voter dans l'urne pour savoir qui vous devez éliminer. Évidemment, les votes sont anonymes et la personne devra partir. C'est l'heure de voter. Ok, je dois voter. Évidemment, je vais voter pour la dame que je ne connais pas. Je vais pas voter pour les abonnés, ce serait quand même un petit peu bête. Après tout le mal qu'on s'est donné pour se retrouver dans cette partie. Bon, si quelqu'un a l'immunité, il faut qu'il le montre maintenant, mais apparemment, je pense que personne n'en a, parce qu'il faut la trouver sur l'île où on arrive, en fait. Bien, tous les votes sont faits, la décision arrive, la personne devra donc quitter l'aventure. Je lis les bulletins. Premier vote, The Vilgloria Cat. C'est la personne pour qui j'ai voté, personnellement. Suprakill. The Vilgloria Cat. Ça fait 2 votes pour la dame. 3 votes pour la dame. 4 votes pour la dame. Pauvre bichette, je suis désolé, on te connaît pas. 5 votes pour la dame. 6 votes pour la dame. Et la tout le monde a voté pour elle sauf elle. Oh bichette, je suis désolé madame, on ne te connaît pas. Rip. Oh, elle a mis un petit emoji triste. Non. Mais pourquoi est-ce qu'elle est de dos, monsieur? Genre, elle est pas contente, là. Ouh là, elle est pas contente, là. Elle s'en va direct. Hop. Ah, mais elle pourra peut-être revenir. Je crois qu'elle doit faire des mini-jeux. Et si elle gagne les mini-jeux, elle peut revenir, je crois. Allez, reprenez vos torches et retournons au camp. Ok, nous sommes de retour sur l'île, les amis. On a notre petit campement et tout. Bon, je vais faire un petit somme, moi, pour la prochaine épreuve, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit faire sur ce truc? Sur cette épreuve? Alors là, c'est une épreuve avec des points. Passons au challenge d'aujourd'hui.
Un membre de chaque tribu devra mémoriser les objets quand ils sont présentés derrière le rideau. La première personne à donner la réponse correcte gagnera, etc. Gagnera un point et l'équipe avec le plus de points, évidemment, n'élimine pas de joueur. Ok. Alors, 3, 2, 1, go. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas tout compris, là. Ok. Bâton, poisson, bâton, rocher, truc, là. Palmier. Allez. Bâton, poisson, rocher, truc, palmier. Non! Ok, bon, c'est pas grave. Palmier, goutte de poisson, bâton. Il faut reproduire la séquence, nous bêtes. On va y arriver. Ok, goutte d'eau, bâton, poisson. On a quoi là? Ah, on sait pas. Ah, si, on a 1-1. Ok, vas-y, nos bêtes, donne tout. J'ai pas regardé la séquence, donc je peux pas t'aider là. Ah non, ils ont gagné un point. Allez, Amel, donne tout. Tu peux y arriver, Amel. En vrai, je dis ça, mais quand je vais être devant, je pense que je vais bégayer. Allez, Amel. Non! Rip! Ok, je suis le prochain. Palmier. Ah, mais il y a des bananes maintenant? Non, mais les gars, arrêtez de complexifier le truc quand c'est à mon tour, hein. Allez, lionceau. Donne tout. En fait, le truc, c'est que je crois qu'il y a des gens qui, d'habitude, jouent beaucoup à Koh-Lanta. Du coup, ça peut nous être préjudiciable. Parce que nous, on connaît pas les mini-jeux. Non! C'est à moi. Ok. Alors, poisson, palmier, bâton, rocher. Poisson, palmier, bâton, rocher. Je dois le faire sur la table, c'est ça? Poisson, palmier, bâton, rocher. Oui! Bien! Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'était facile, il y avait 3 O à la fin, là. Non! On a encore perdu! Oh là là! On va encore devoir éliminer quelqu'un! Ah, c'est bon, supra kill! Ok, on peut égaliser, les gars, on peut égaliser. Rocher, bâton, palmier, bâton. Allez! Vous allez devenir fous dans les commentaires avec mes conneries. Hashtag rocher, bâton, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a gagné, là? Oui, on a égalisé! Allez, nous bêtes! Donne tout! On n'élimine pas nos joueurs! Allez, nous bêtes! Non! Ils ont un point de plus. Bon, ça passe. Allez, Amel, on compte sur toi. Oh là là! En vrai, le miel était facile, hein. Ils sont moins faciles, les leurs, là. Ils ont 15 000 trucs différents et des trucs de fou. Ah! Ils ont 2 points d'avance. Ok. Si Lionceau, tu arrives, moi, si j'arrive derrière, ça peut passer. Oui, Lionceau a gagné. À moi. Ok. Je suis contre Panda. Non! Poisson, eau, rocher, poisson, rocher, rocher. Alors. Poisson, eau, rocher, poisson, eau, rocher. Non! J'étais déconcentré à cause de... C'est Panda! Tu m'as déconcentré! Bon là les amis, ça me paraît compliqué pour égaliser là. Mais ils y arrivent pas tous les deux? Oh là là! Non! On a encore perdu, mais c'est pas possible! Non! Nous voilà de retour au temple pour devoir éliminer quelqu'un. Bon, honnêtement, si jamais il y a toujours le monsieur qu'on connaît pas avec nous, le choix sera vite fait, mais je crois qu'il a quitté. Non, il est encore avec nous. Bah, je le vois pas. Oh les gars, il est où le monsieur qu'on connaît pas qu'on puisse éliminer? Bon, et ben les amis, on sait qui on va devoir éliminer malheureusement. Ça va tomber sur toi, Darkman. Attention, les amis, premier vote. Nous bête. Quoi? Supra, mais que se passe-t-il? Darkman, il y a des traîtres là, hein. Il y a des traîtres quand même, hein. Darkman. Ça fait donc 4 votes pour Darkman. Et du coup, c'est Darkman qui est exclu du jeu. Sorry, monsieur. On t'aimait bien. Tu avais l'air fort. Mais malheureusement, ça ne suffit pas dans Koh-Lanta. Il faut avoir le mental. Non. Mais quoi? Il est invisible. Ok, il va donc sur l'île de la rédemption. Le nouveau challenge commencera bientôt. Ok, les amis, c'est un parcours du combattant. Un espèce de hobby. Ça, j'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé parce que du coup, j'ai dû tourner cette vidéo 2 fois. Donc en gros, il faut qu'on aille tout au bout du parcours, de notre parcours, qu'on... Bah non, en fait. Ah si, on commence là-bas, on revient jusqu'ici, on prend une clé, on ouvre le coffre. Et c'est la première tribu qui ouvre le coffre qui gagne. Si jamais on tombe, dans ce cas-là, ça passe au joueur d'après. Qui c'est qui commence? Ok, c'est Tom & Go. Mais non, c'était pas Tom & Go, mais il y a quelqu'un qui est tombé. Allez, Tom! Viens chercher une clé. Ok, bon, Tom est tombé. Mais non, mais... Arrêtez de tomber. Allez, Noubette. Noubette, c'est la pro des hobbies. Noubette, elle fait elle-même les hobbies.
Oh là là, ils ont déjà récupéré une clé. Non, Noobette est tombée juste avant. Elle est tombée là. Bon là, c'est chaud les amis, hein, je vous le dis. Hein. Allez, Suprakill qui chope une clé, qui la met dans le coffre et du coup, c'est à moi. Allons-y, je m'élance vers la victoire. Hop, hop, allez, on rush, on essaie de rattraper le temps qu'on a perdu. Hop, allez, on rattrape le temps. Allez, hop, je chope une clé, j'ouvre le coffre, c'est parti. Suivant. Attendez, on a deux clés manquantes, eux ils ont deux clés manquantes également. Sachant que le monsieur il joue pas. On a... Oh là là, il va bloquer leur équipe. Il y a un monsieur qui joue pas. Ok, je suis le suivant. Bon les gars, là c'est critique, on est à 3 contre 3 là. Noobette, elle est encore tombée. Eh ben Noobette. Ok les amis, on a 4 clés. Je vais essayer d'en ramener encore une pour qu'on soit sûr de gagner. Donc je vais pas faire le fou là, je vais juste essayer d'être sûr de gagner. Et donc ne pas tomber, non. Je suis tombé comme un gros débilus. Allez, allez, oui, ne meurs pas à la fin, oui. Lionceau qui ramène une clé, la clé de la victoire. Du coup, normalement, je pense qu'on va être réunifiés, les deux équipes vont être réunies. Et donc on va pouvoir rejoindre Panda qui est toujours tout seul dans l'autre équipe. Yes, du coup l'autre équipe va devoir éliminer un joueur dans leur équipe. Et pendant ce temps, nous, on est tranquille, on se la coule douce. Nous, on fait notre petite vie. Hein, y a Amel qui se baigne, voilà, tout va bien. Hein. Oh, regardez les amis, on a gagné, du coup, j'ai un collier qui est en mode différent, avec la tête et tout. On a tous ça? Ah oui. Quoi? Il fait nuit? Ah bah oui, il fait nuit. Bah pour nous, en fait, c'est la première fois qu'on vit ça, parce que du coup, c'est l'autre équipe qui se fait éliminer. Ah, l'autre équipe est en train de voter. Ok. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à espérer que Tom ne soit pas éliminé. Parce que du coup, il est le seul, entre guillemets, étranger à leur équipe. Ven, tu dégages. Et j'espère que maintenant, c'est la réunification. Où est-ce qu'elle est, Amel? Elle se noie dans l'eau. Oui, les survivants, il est l'heure de fusionner les équipes. Les joueurs qui ont été éliminés ne pourront pas revenir grâce à l'île de la rédemption. Et du coup, tout le monde devient un membre de la team Herbe. Herba, devrais-je dire. Et voilà, on est tous réunis. Et le nouveau challenge commence bientôt, let's go. Ok, donc là, ça parlait de Picture Perfect, le nouveau challenge. Du coup, a priori, il va falloir refaire des images. Maintenant, je vous le dis, les amis, c'est chacun pour sa poire. La personne qui gagne, du coup, ne pourra pas être votée. Ok, du coup, il faut prendre les blocs et faire une photo. Il faut cliquer sur un bloc pour le prendre et cliquer pour le placer. Il faut prendre les blocs d'un côté et les ramener de l'autre de la bonne façon. Et la première personne qui arrange les blocs correctement gagne l'immunité. Ok. Alors, 3, 2, 1, go. Oh la vache. Ah d'accord, j'ai compris. Oh bon sang. Les gars, je suis vraiment dans le caca là. Allez. Je crois que je m'en sors pas mal là. Survivor. Ok, ça va en haut, à gauche. Ça va ici, là. Ok, c'est... Ah non, ça va pas du tout ici, ça va ici. Voilà. Ensuite, ça va en haut à droite. Ici, oui. Ensuite, ça, en bas à droite. Oui. Il faut refaire le logo, en fait. Je pense que vous l'aviez tous compris, mais je suis tellement stressé que du coup, je le redis. Oui, plus que deux blocs. En bas à droite. Non. Oh la vache! Tom a gagné le challenge. Mais Tom, il est encore en vie. Après tout ce qui s'est passé dans son équipe, il est encore en vie. Et il est le seul à avoir l'immunité. GG Tom. Et voilà les amis, nous revoilà au temple. Parce que maintenant, il n'y a plus d'histoire d'équipe qui gagne. On ira au conseil tous les soirs pour éliminer un des participants. Et là pour le coup, bon, on s'est à peu près mis d'accord. Hein, on va pour l'instant essayer de rester dans la team Herbe et surtout dans la team abonné. Dans la team Colin Senkosuke, devrais-je dire. Et du coup, bienvenue au conseil. Un d'entre vous devra être éliminé aujourd'hui. Allez, c'est parti, les votes commencent. Je vote du coup pour Lemon Juice. Sorry, monsieur. Je n'ai pas le choix. Je garde mes précieux abonnés. Attention, les amis, dépouillage du vote. Quoi? Moi? Mais... Lemon Juice,
c'est bon, je me sens mieux. Lemon Juice. Ça fait 2 votes contre toi, Lemon Juice. 3 votes. Je crois que c'est le rip pour toi, monsieur Lemon Juice. Mais non, je me vote pas, Lionceau. C'est lui qui a voté pour moi. Et Lemon Juice. Du coup, sorry, monsieur. Mais tu ne fais plus partie de l'aventure. Je trouve que tes compétences de survie n'étaient pas encore à la hauteur. Et malheureusement, nous devons t'éliminer pour le bien de la tribu. Désolé, Lemon Juice. La tribu a parlé et notre sentence est irrévocable. Au revoir, Lemon Juice. Et retournons au campement. Ok, les amis, le prochain challenge est dans pas longtemps. Du coup, let's go. Oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est 2 de chaque côté, parfois un seul. Il y a des escaliers, une espèce de pyramide chelou. Et évidemment, la personne qui aura l'immunité ne pourra pas être votée ce soir. Parlons donc du challenge. Il faut aller tout en haut de la pyramide. Ok, bon, pour ça, ça m'a pas l'air, voilà. Et il faut rester tout en haut le plus longtemps possible. Ah, ok. En fait, c'est du con, c'est du combat. On va avoir une espèce d'arme, une espèce de bâton ou je sais pas quoi. Et du coup, il faut s'éjecter. Ah, mais d'accord, bah super, hein. À l'attaque. Mais non, mais je me fais dégager de ouf. Poussez-vous. Poussez-vous. Oh là là, mais j'arrive pas à leur taper dessus. Ah, ok, ok, j'ai compris. Non. Arrêtez. Arrêtez de me frapper. Paf. Vas-y. Oh. Non. Il m'a encore dégagé. Ah, j'ai 21 secondes. Mais arrête-toi. Time and go. C'est pas juste, tu me fais tomber dans les escaliers. Non. Je te retiens, Time and go. Noubette. J'ai ici. Bah, c'est moi qui vais dégager. Bah, bravo. Bravo, Noubette. Revenez ici. Je vous éjecte. Non, arrêtez. Je me fais ratatiner. Allez. Non, non, pas moi. Pas moi. J'ai dit pas moi. Oh là là, il y a quelqu'un qui est resté 60 secondes en haut. Mais en fait, c'est ceux qui fuient le combat là. Oh là là, je vais me faire éjecter. Non. Non mais là, en fait, si on dégage pas vite quelqu'un là, il y en a un qui a 73 secondes, c'est Lyon. Plus que 5 secondes. Non. Lyon a gagné le challenge. J'ai joué. Bon, c'était intense, hein. Honnêtement, là, je suis en train de décéder de chaleur. En plus, il fait encore toujours aussi chaud aujourd'hui. Du coup, nous allons devoir aller au conseil, les amis. C'est le RIP. Bienvenue au conseil, équipe Herba. Un de vous sera voté et devra partir. Alors là, honnêtement, j'ai aucune idée de qui voter parce que je crois que c'est quasi tous des abonnés. J'ai juste un doute sur le monsieur. Du coup, je vais sûrement voter pour lui. Désolé si tu es vraiment un abonné. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Google Trad dans ce qu'il dit, en fait. C'est l'heure de voter. Je vote donc pour, désolé, PK Lighting. Sorry, monsieur. Il y a tout le monde qui est silencieux, là, d'un coup. L'ambiance a changé, les amis. Attention, les amis, dépouillage des votes. Premier vote. Amel. Et non. Que ce... Ah ! Pas moi. Noubette. Oh là là, il y a des votes dans tous les sens. PK12 Lightning, c'est peut-être moi ce vote. PK12 Lightning, ça fait 2 votes. Voilà, tu dis non alors que tu dis que t'es français depuis tout à l'heure. Encore un vote pour toi, mon ami. Sorry, PK12, mais c'est toi qui seras le perdant ce soir. Il en faut bien un, de toute façon, il fallait qu'il y ait un perdant. Désolé, c'est tombé sur toi. De toute façon, je pense que tu n'aurais pas su t'adapter à la dure vie qu'est Survivor. Je suis désolé, mais tu n'avais pas les compétences requises. Notre sentence est irrévocable, PK12 Lightning. Bon, les amis, c'est super compliqué parce que là, il reste vraiment plus que des abonnés. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. En tout cas, du coup, je vais m'arrêter là, évidemment. Comme ça, vous aurez la suite prochainement. Du coup, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !